Salut, salut! Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai pas l'habitude de faire ces vidéos-là, mais je vais la faire quand même. C'est-à-dire que c'est une vidéo où je vais tester en fait une perruque que j'ai reçue. Enfin, je dis j'ai pas l'habitude, mais si, j'ai l'habitude de faire des vidéos comme ça. Mais si, quoi que si, j'avais fait une vidéo comme ça avec une perruque. Ouais, je dis n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je vous montre une perruque que j'ai reçue. Alors, ce n'est pas du tout un partenariat, j'ai payé ma perruque, mais je vais tout vous expliquer. Je l'ai vraiment payé pas cher. Je l'ai vraiment pas payé cher plutôt. Et du coup, je l'ai reçu aujourd'hui. Je l'ai commandé sur AliExpress. Je regardais des vidéos, je regardais plein de choses. Et du coup, je suis tombée sur une personne qui commandait ses perruques chez ce vendeur-là. Et elles étaient vraiment pas chères et la qualité, elle était, elle avait l'air vraiment bien. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai de suite été voir le vendeur. Bon, je suis pas du tout coiffée là, donc ça tombe bien. Je me suis pas lavé les cheveux, donc ça tombe bien si je mets la perruque, mais ça ira très bien. Du coup, j'ai commandé chez lui. Alors, j'ai commandé, on est mercredi. J'ai commandé dimanche soir, je crois que c'était minuit, 1h du matin, parce que moi, je suis toujours sur le internet, sur les réseaux, sur YouTube et tout ça le soir. Donc, j'ai commandé, c'était dimanche, ouais, minuit, 1h du matin. Lundi matin, la perruque est partie et je l'ai reçue aujourd'hui par FedEx. Donc, voilà. Alors, j'ai commandé cette perruque-là que nous allons ouvrir ensemble et essayer ensemble. D'où le ciseau. Donc franchement, quand j'ai vu, parce que j'ai regardé quand même les avis, hein, j'ai pas commandé comme ça à l'aveuglette. Donc j'ai regardé les avis parce que sur AliExpress, c'est vrai que souvent en dessous il y a les avis, il y a les notes et il y a les photos des clients. Donc j'ai regardé et franchement, elle m'avait l'air terrible. Donc j'ai commandé et je l'ai reçu. Voilà, je l'ai reçu comme ceci. Donc on va tout découvrir ensemble. Et je l'ai payé 39 euros. 39 euros. Donc déjà, on va voir la qualité. On va voir si vraiment elle est. Elle fait vrai ou pas. Donc ensuite, j'ai reçu le petit bonnet. Donc déjà. Je vais me faire ma petite coiffure. Oui, j'ai les cheveux en l'air. J'ai dormi avec la couette. Déjà, hop, on va faire une petite. C'est même pas une petite couette que je vais faire. Que je vais vraiment aplatir mes cheveux. Mais ça me fait chier de mettre une barrette, des petites barrettes là. Parce que ça me fait mal, ça. En fait, je vais mettre ça. Et je vais bien m'attacher, enfin bien m'aplatir les cheveux. J'ai mis des faux cils, j'adore, ils sont trop beaux. Je les ai trouvés dans mon truc de fossile et ils sont super beaux. Je les trouve super beaux. Donc, je me suis bien attaché les cheveux. Je vais mettre. Alors, je mets la farine, je mets la charrue avant les bœufs parce que je mets ça avant d'ouvrir la perruque, s'il vous plaît. Alors, ça, j'ai jamais su le mettre comme il faut. Donc, ça, déjà, ça va être une galère parce qu'il n'y a jamais mes cheveux qui vont à l'intérieur de ma perruque. Enfin de mon filet là. Jamais. Voilà. Je pense que là c'est bon. Et on va déballer la perruque. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la déballer. Donc déjà, je l'ai retirée comme ceci. Dans un filet. Dans le filet, il y a ouf, tout ça. Et du coup, je vais mettre en marche mon lisseur parce que je sens qu'il va falloir que je lui fasse une petite coiffure, celle-ci. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, elle est hyper douce et la raie est hyper grosse. Alors ça, j'aime. Ça, la perruque, hein? Franchement, ouais. Pour l'instant, alors il y en avait des blondes platines et celle-ci qui est avec l'effet racine. Donc j'ai voulu essayer celle avec l'effet racine parce que les blondes platines. Attendez, je vais la resserrer parce qu'elle est un petit peu grande pour ma tête, pour ma petite tête. Mais là, le peu que je l'ai essayé, elle a l'air pas mal. Donc, elle a l'air pas mal du tout. Donc là, vous avez le petit lien pour la serrer, hein. Évidemment. Hein. Je la serre des deux côtés. Après, vous avez aussi les petites barrettes pour mettre à l'intérieur.
Mais elle m'a l'air pas mal du tout, dites donc. J'ai peut-être serré un peu trop derrière. Parce que du coup, alors il va falloir que je coupe le filet. Donc je vais déjà couper le filet. Tout autour. J'ai fait des gars. Ah, je suis trop contente, elle a l'air trop belle. Pour le prix, franchement, je crois que je vais être hyper contente. Je vais enfin peut-être pas avoir honte de me promener avec une perruque. Je vais couper le filet. Alors, en plus, la couleur du filet, c'est la couleur de ma peau. Donc, franchement, c'est génial. Alors, quand on coupe le filet, on fait attention. Ouais, on suit bien la ligne, les petits points. Parce que ça peut vite partir en cacahuète. Donc là, je vais couper le filet et je reviens. Donc là, j'ai coupé le filet, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et là, je vais essayer de la coiffer déjà. Voir ce que ça donne. Attendez. Parce que là, du coup, là. Alors évidemment, c'est des perruques que vous pouvez boucler, laver, sécher, colorer, je sais pas. Mais en tout cas... pourrait en faire quelque chose. Je n'ai pas l'habitude de me sécher les cheveux, de me faire les plaques avec la chaleur aussi chaude. Après, j'ai les têtes à proposer les perruques, mais le problème, c'est que j'ai pas la... j'ai pas du tout la... le pied pour la poser. C'est super beau, j'adore. Je suis sûre que la majorité des gens vont me dire que ça me verra mieux cette couleur. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le blond platine. Je suis quasiment sûre. Je vous vois venir. Et bon, après, je n'ai pas du tout la même texture de cheveux. La même épaisseur, rien à voir. Donc ça y joue aussi beaucoup. C'est-à-dire que j'ai acheté la laque Go To Be. Je crois qu'on dit comme ça. Et en fait... vous la collez ici, à ce niveau-là, pour pas qu'elle bouge. Et là, pour que ça soit un peu plus naturel, je parle pas fort parce que j'ai Chachouna qui dort juste à côté, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parle pas très fort. Avec le petit crayon pinceau, je vais un petit peu éclaircir l'arrêt. C'est pas trop la bonne couleur. Hein. C'est un petit peu plus clair que moi, ça. Un petit peu plus clair que moi. Je vais en essayer un autre. Peut-être celui-là. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais. Il faudrait déjà que j'ai le truc de la même couleur que mon front. Déjà. Je sais pas, je suis pas habituée. Je suis allée me voir au miroir de la douche et quelque chose qui me plaît pas. Je peux pas faire une raie de l'autre côté. En fait, je suis pas habituée à avoir la raie au milieu, moi. Alors. Franchement, je sais pas. Je me sens bizarre comme ça. Puis elle n'est pas toute aplatie, ça m'énerve. Je ne suis pas habituée du tout.
En tout cas, c'est hyper. Franchement, je suis pas du tout déçue. Hyper bonne qualité. Elle fait hyper vrai. Bon, derrière, bon, j'ai pas réussi à lisser derrière. Je pense qu'il va falloir que je le fasse sur une tête à coiffer. Mais franchement, rien à dire. Ouais, rien à dire. Parce qu'elle est gonflée ici, ça me stresse. Mais hyper bonne qualité. Ouais. Hyper, hyper bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Je l'attache comme ça. Mais bon, je ne suis pas habituée. Je ne suis pas du tout habituée à avoir des cheveux comme ça, gros épais. Donc, je sais pas. Je vais essayer de la mettre en biais. Pour voir. Je ne sais pas du tout. Peut-être comme ça. En faisant un petit carré plus long d'un côté et plus court de l'autre. Non, c'est pire. C'est pire. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Parce que là, franchement, je suis... je sais pas. Ouais, elle est très gonflée et c'est ce qui me dérange un peu. Donc... pas du tout. Je vais voir, je vais essayer de la dégonfler un peu et je vais essayer de la remettre. Mais en tout cas, franchement, pour 30 €, je suis pas déçue. Je suis pas du tout déçue. C'est juste, je vais arriver à faire quelque chose avec. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez parce que franchement, la qualité, elle est vraiment top. Pour le prix, c'est vraiment top. Voilà. Si vous voulez le lien de la perruque, je vous le mets en barre d'infos. J'ai pas de code promo parce que évidemment, je l'ai payé. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Je vais essayer de faire quelque chose avec cette perruque. Et puis, voilà. Mais en tout cas, franchement, pas déçue du tout. Dites-moi si vous aimez bien les vidéos aussi comme ça, où je commande des trucs et je vous montre en direct comment ça se passe. Dites-moi tout en commentaire. Voilà, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.